Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un vlog, donc comme vous l'avez vu dans le titre, le vlog de Saint-Maur en poche. Donc voilà, il doit être 9h et quelques, 9h39, je suis à la bourre, mais j'ai fait un peu de rangement parce que, enfin, comme je vous l'ai dit, je suis à Paris, donc je vais un peu à droite à gauche et ce soir je change de logement, enfin bref, on s'en fiche un peu. Mais voilà, du coup je suis à la bourre et donc je vais partir bientôt. Voilà, je vais essayer de filmer pas mal, enfin je sais pas si je prendrai bien le temps de le faire. Mais je vais y aller, donc c'est la première fois que je vais à ce salon du livre, je suis super content, d'autant plus que je vais y voir donc des auteurs que je connais, que j'aime bien, notamment des auteurs de Didier Jeunesse, Victor Dixen, qui d'autres, Gilles Paris, Benoît Mainville. Enfin voilà, ça va être cool, et je vais aussi y rencontrer Guillaume de la chaîne Tribulation d'une vie, et du blog aussi. Mais donc voilà, je suis super content d'y aller, et je vais y aller quoi. Je suis un petit peu fatigué, mais ça va aller, je pense que ça va être une bonne journée. Et donc, en l'occurrence, je ne fête pas la fête de la musique, moi je vais fêter du livre. À tout à l'heure. Thank you.
Salut. En direct de Saint-Maur. On est dans les allées. Il n'y a pas grand monde, c'est génial. Et ouais, enfin pour l'instant. Pour l'instant, ouais. Mais bon, attends. C'est dimanche, il n'y a pas grand monde. A plus. Je t'ai dit tant de choses, jamais les bonnes, ça doit être dur à dire pour un homme. Surtout quand on a comme moi tant d'ego, et pour ces mots-là, autant de dégoût. Pourtant, Dieu sait à quel point j'ai pu tendre l'oreille pour entendre de ta bouche ces trucs tendres. Mais ceci en vain, et c'est ce qui fait qu'on se déchire sans se comprendre. Puisqu'on est déçu, la bouche baissée perd la raison. Cette putain de colère prend le dessus. Une histoire est finie, toi t'es parti de la maison. Moi je pleure ce que j'ai jamais su te dire. Tu m'as dit plein de choses, jamais comme Amel Rose ou dans toutes ces histoires qui sont mêlées de roses. C'est que tous les deux, notre orgueil pour place nous embrase de nos querelles. Je suis blasé. Quand on est seul, une sale atmosphère, à quoi bon se le dire? À quoi ce mot sert? On s'insère dans un rituel de dispute, d'ignorance qui est sincère. T'as su te faire seul, ensuite tu m'as fait moi, puis tu t'es mis à faire des rêves fameux. Tu dis que je réalise pas la chance que j'ai, que je vais détruire ce que t'es pas capable de me dire. À quoi bon les remords, puisqu'il est trop tard, on a eu trop de temps, remettre ça plus tard. Au lieu de se l'avouer, nous deux on s'est voué à se dire des mots durs, voués à l'échec. Et puis on s'emballe, on se déballe tout comme un vieux couple, à qui le temps aurait fait tant de mal. On se regarde plus en face, hein, tout est fossé, quand l'autre passe, on s'efface, hein, entre nous un fossé. Pourtant j'aurais aimé t'offrir un brin de ciel. La nuit tombe, porte mon deuil, je me recueille, de tristesse je me sers, cueille un bouquet de rimes pour dire papa je t'aime. Merci beaucoup, je vous remercie. Bon salon et bonne continuation. Coucou, donc ça y est, je suis rentré de Saint-Maur en poche, il est quoi, 17h, 18h, quelque chose comme ça. Et voilà, donc j'ai passé vraiment une super journée. Bon là, je suis un peu crevé, enfin, hier j'ai été au centre Georges Pompidou, donc j'ai beaucoup marché. Aujourd'hui Saint-Maur, donc je suis resté debout. Donc là, j'ai un peu les pieds en compote, donc je comate un peu sur le canapé là. Mais je vais quand même vous parler vite fait de ce que j'ai fait aujourd'hui. Donc je suis arrivé un peu après l'ouverture, vraiment genre 10h10 ou 20, quelque chose comme ça, alors que ça ouvrait à 10h. Et donc ben là, je me suis baladé. Qu'est-ce que j'ai fait? Il me semble que j'ai vu Pascal Ruther d'abord. Donc Pascal Ruther, c'est un auteur de Didier Jeunesse, qui a publié notamment Le Cœur en Braille. Donc là, j'avais déjà Le Cœur en Braille dédicacé, donc j'ai fait dédicacer Le Cœur en Braille 3 ans avant, qui s'appelait Avant du bonheur à l'envers. Et 4 ans après... Donc voilà, c'est le tome 2 et le tome 3, même si c'est un peu des préquels et des suites, enfin vous voyez quoi. Et voilà, donc bon, je le connais un peu, donc voilà, c'était pas une rencontre exceptionnelle, mais c'est toujours un plaisir de discuter avec lui. Donc j'ai aussi croisé Taimark Le Tan, l'auteur de Jonah. Donc j'en ai beaucoup parlé, vous devez voir ce que c'est. Et je lui ai acheté un album, parce qu'il a aussi publié pas mal d'albums qui sont illustrés par Rebecca D'Outremer. Alors attendez, parce qu'il faut que j'ouvre, parce qu'on me l'a mis dans un sac qu'on a agrafé. Parce qu'en fait, le salon, donc il y a plein de stands, comme vous avez pu... Enfin, normal, quoi. Comme vous avez pu voir sur les images. Enfin, je sais pas si vous avez pu voir, mais en fait, on n'achète pas au stand directement. Comme c'est une seule librairie qui organise, on prend les livres à la fin, enfin, ou quand on veut, on va juste à la caisse pour tout payer d'un coup. C'est bon, j'ai réussi à ouvrir la poche. Donc du coup, qu'est-ce qu'ils ont mis dedans? Ils ont mis des jolies cartes... un petit supplément de Le Point avec la spéciale poche, parce que c'est Saint-Maur en poche. Un petit catalogue du livre de poche, le ticket de caisse aussi. Et donc l'album qui est juste trop beau. Voilà donc l'album. Je vais essayer de vous le montrer un petit peu. Donc, enfin moi, Rebecca D'Outremer, j'adore, donc voilà quoi.
voilà, du coup, bah, je l'ai fait dédicacer par Time Mark Le Tan, puisque bah, Rebecca d'Outre-mer n'était pas là. Mais enfin voilà, du coup, Time Mark, c'est pareil, c'est toujours un plaisir de le voir. Voilà, donc sinon, j'ai croisé l'après-midi Karina Rosenfeld. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? J'ai vu Victor Dixen, qui vient de publier Phobos, donc moi j'adore, pour, notamment pour Jack Spark, pour Animal, tout ça. Et là encore une fois, c'était toujours un plaisir de discuter avec lui, tout ça. Avec lui, j'ai aussi croisé Fabien Leroy, qui travaille à la collection R, avec qui encore une fois, ça a été un plaisir de discuter. Voilà, j'ai aussi fait dédicacer un roman pour quelqu'un, donc là c'est... de Gilles Paris, donc bon, c'est autobiographie d'une courgette. Là je peux vous le montrer si vous voulez, mais voilà, donc je mettrai des liens en barre d'infos, parce que ça peut toujours être intéressant de revoir mon avis dessus, parce que c'était vraiment un roman qui m'avait beaucoup beaucoup touché. Et Gilles Paris, ça faisait longtemps que je l'avais pas vu, et là vraiment c'était un plaisir de le revoir, donc encore une fois, et voilà, assez rapidement, mais c'était vraiment super. Et surtout, alors j'ai croisé aussi Myriam de la chaîne et du blog Un jour un livre, d'autres booktubeuses et blogueurs que je connais pas forcément, du coup je leur ai pas dit bonjour en fait. Et surtout, j'ai passé une bonne partie de la journée avec Guillaume, donc de la chaîne et du blog Tribulation d'une vie. Et voilà, donc Guillaume, comme je sais que tu passeras par là, je mets la photo qu'il a prise avec son iPhone, parce que c'est toujours mieux que les photos de mon portable. Ici, donc voilà, on a passé une super journée. Donc Guillaume, donc si tu passes par là, enfin je pense que tu passeras par là, voilà, c'était vraiment un plaisir, et enfin vraiment c'était une super journée, et j'étais content de la partager en partie avec toi. Ah oui, et j'ai aussi vu, maintenant que j'y pense, Insa Sané, et donc l'auteur de Tu seras partout chez toi, qui a fait une espèce de lecture rapide avec des chansons de slam de ses romans. Donc voilà, là aussi c'était très sympa, en plus c'était dans le coin jeunesse où déjà il y avait moins de monde, parce que dans le salon il y a plein de monde, bah, aux horaires de pointe quoi. Et puis là il y avait, donc là c'était un peu plus aéré, et puis en plus il y avait des canapés, enfin c'était juste énorme quoi. Et voilà, donc vous pourrez avoir vu un peu l'ambiance du salon sur les images. Donc c'est un salon que je faisais pour la première fois, et c'était assez... Enfin vraiment j'aimais bien l'ambiance, donc il y a plein d'affiches colorées avec des avis sur les livres et tout. Ça fait peut-être un peu lourd au bout d'un moment, enfin là ça va, mais c'est surtout que on est passé devant la librairie à l'extérieur du salon à un moment, et en fait ça a l'air d'être pareil dans la librairie, mais vraiment partout des avis comme ça, du coup je pense que c'est un peu lourd, et au final il n'y a rien qui ressort vraiment. Mais là dans le salon, je trouvais que ça lui donnait une ambiance particulière, du coup j'ai bien aimé. Puis voilà, bon c'est un gros salon, mais en taille il est assez petit finalement, et enfin voilà, c'est je trouve que c'est un bon salon. Après voilà, il y a tous les la partie littérature notamment, où aux horaires de pointe il y a plein de monde, et là il y avait par exemple Partie Polar, il y avait une dédicace de Harlan Coben, et il y avait une file immense, et enfin voilà, du coup bon ça c'est toujours un peu lourd au bout d'un moment. À un moment je suis sorti et je me suis assis là 10 minutes en me disant c'est bon quoi, je sature un peu. Mais voilà, enfin c'était vraiment une bonne journée, et je ne peux que vous recommander d'y aller si vous avez l'occasion un jour. Je passe encore un coucou à tous ceux que j'ai vus aujourd'hui, notamment Guillaume, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère que je m'oublie de vous parler de rien. voilà, salut.